Si la joie de vivre est communicative, celle de Lola Cess est carrément contagieuse. Impossible de résister avec ou sans masque. Alors laissons-nous contaminer avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Lola Cess. C'est bizarre. Vie qu'on va retracer à travers les photos. Bizarre, comme vous dites. Venez, on va commencer par là. Parce que tout commence là, quand même. Oui. Quand même, et oui, quelque part. Qui on a là? Ma grand-mère, la maman de ma maman. Santa. Exactement. Costa. Oui. Oui. Oui, d'abord Costa. C'est pas moi qui vais parler, c'est vous. Hein. c'est ma grand-mère que... Un tout petit bout de femme. Tout petit bout. Hein? Pour l'anecdote, la première fois que mon mari l'a vue, on en avait tellement parlé parce qu'elle a un caractère, elle avait un caractère incroyable. C'était vraiment quelque chose, quoi, ma grand-mère. Il a ouvert la porte comme ça, il s'attendait à avoir une grande bonne femme et puis il a fait bonjour. C'est que ça. Mais un tempérament, et puis surtout, pour l'époque, Santa, elle va avoir beaucoup d'hommes, beaucoup, en tout cas plusieurs hommes dans sa vie. Oui, alors, il paraît que ma grand-mère était, comment on dit ça, poliment, je ne sais pas, elle faisait parfois l'éducation de la jeunesse, voilà. elle était coquine, il paraît. Ouais. Et puis, c'est ce qu'on m'a raconté, je ne l'ai pas vu de mes yeux, hein. Et puis après, elle a refait sa vie avec un homme qui était de Poggio Mezzane. Et c'est vrai que moi, petite, j'ai passé une partie de mes vacances à Popolasque et après beaucoup à Poggio Mezzane. D'accord. Votre grand-mère, elle va avoir une fille? Oui, deux. Deux? Mais il y en a une qui nous intéresse, non? Plus particulièrement, c'est ma maman. C'est elle? Ouais. Maddy. Maddy, exactement. C'est son prénom, Maddy. Marie-Madeleine. Mais elle déteste que... Elle ne veut pas du tout être contente que je le dise. Mais oui, tout le monde l'appelle Maddy depuis toujours. Et ma maman, elle a grandi ici. Et puis, un jour, elle est partie sur le continent. Et puis, elle a rencontré là, mon papa. Là, vous allez un petit peu vite. Vous allez un petit peu vite parce que votre maman, elle, c'est l'inverse de sa mère. Ah, c'est-à-dire oui. Que le tempérament de sa maman... Expliquez-moi. Bah, ma maman, elle est douce, elle est affectueuse, elle est plutôt timide, plutôt... C'est pas du tout le même caractère que ma grand-mère. Elle est réservée, ma maman. Donc, voilà. Et votre maman, comme vous dites, à 20 ans, elle va quitter la Corse. Oui, elle va rejoindre sa sœur, qui habite à Paris, et puis chercher une autre histoire familiale aussi, je pense. Avec son petit garçon sous le bras. Oui. Et puis, arrivée à Paris, elle travaille à la préfecture. Avant de travailler à la préfecture, sa sœur... Oui. Elle travaille dans un endroit stratégique pour tous ceux qui sont passés à Paris, quand même. Alors, ce n'est pas sa sœur qui travaille dans un endroit stratégique. D'ailleurs, c'est son mari. Qui tient le Montecinto, tout un des premiers bars corse à Paris. J'ai connu, moi. Ouais, j'ai connu. Et votre maman, donc, elle va faire un temps ici. Puis après, comme vous dites, elle va travailler à la préfecture. Exactement. Et c'est toute une nouvelle vie pour elle. Elle ne connaissait pas du tout Paris. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Elle vous en parle un petit peu de son déracinement comme ça ou... Je crois qu'elle ne s'est jamais sentie déracinée parce qu'elle est toujours beaucoup revenue. Elle a fait connaître la Corse à mon père qui est devenu presque autant qu'elle amoureux de la Corse. Donc elle ne s'est jamais sentie vraiment déracinée. Je pense que nous, on a reçu cette culture-là dans tout, dans ce qu'on mangeait. Toutes les vacances, c'était ici. Les vacances d'été, c'était 2 mois tous les ans. Donc je ne pense pas qu'elle se soit sentie déracinée. Je pense plutôt qu'elle est un peu partie à l'aventure. Et que dans l'aventure, elle a rencontré mon papa. Enfin, l'aventure, c'est à la préfecture. Hein, Alors oui. Lui, il travaille à la préfecture oui, aussi. Voilà, il travaille à la préfecture aussi. Et puis, il tombe amoureux. Et voilà, mon papa devient... Christian, il vient de Saint-Étienne, lui. Il vient de Saint-Étienne, exactement. Il vient de Saint-Étienne. Une famille de 7 enfants. Oui. Son caractère, lui, comment il est, Christian? Mon papa... C'est difficile de parler de ses parents, mais... Oui, c'est un peu émouvant. mon papa, lui, c'est la fantaisie, c'est la rigolade, c'est la... Moi, j'ai été une petite fille ultra gâtée, aimée, choyée. On l'a là, justement. J'avais vu cette photo exprès. Dans les bras de votre père, parce que votre père, effectivement... Ben, il va vous apporter cette confiance quand même. Hein. Vous êtes sa princesse. Ah oui, ça c'est sûr. Sa princesse adorée. Oui, sa princesse. Il m'a vraiment apporté cette confiance. Et je ne sais pas, avec mon père, tout était possible.
Ils faisaient des choses pour des adultes. Enfin, je veux dire, si pour une chanson, il fallait monter sur la table, ils le faisaient. Ils m'achetaient des choses pas du tout communes. Ils m'emmenaient aux puces, m'habillaient avec des trucs. Je me rappelle, j'avais un chapeau en cuir. Tout était possible. Ils n'interdisaient pas grand-chose. Rien, d'ailleurs. Ils ne savaient jamais me dire non. C'était un peu le grand homme de ma mère. Mais c'est vrai qu'il m'a apporté cette fantaisie-là et qui était vraiment bien contrebalancée par la tendresse de ma maman. C'était un bon équilibre, du coup. Vous voulez, je vous suis. Ben voilà, on le voit que l'équilibre est cool. Ben complètement, complètement. Vous allez grandir dans cet équilibre. Oui. Pas vraiment de rêve, je crois. Hein. Plein de rêves. Ah. En fait, justement, le problème, c'est que quand on ne nous limite pas, on a plein de choses qui nous font envie. J'avais plein de passions. J'ai pu les explorer pratiquement toutes. Ah ouais. Voilà. Alors déjà, la passion, c'était celle-là. Ouais, les chevaux. Ah ben, chevaux, vraie passion. Ouais, ça a failli être mon métier. Ah, carrément. Ouais, vraiment, je passais beaucoup, beaucoup de temps avec les chevaux, aussi bien à Paris qu'en Corse. À Paris, je montais à cheval dans un club et c'était plus le côté compétition, tout ça. Là, c'est au championnat de France, je crois bien. Ah ouais, carrément, ouais. Championnat de France. Mmh. Et en Corse, c'était complètement différent. Je venais toujours avec les chevaux. Je travaillais dans un ranch qui faisait des promenades pour les touristes qui venaient l'été. Et je m'occupais des chevaux. Enfin, c'était vraiment, ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps. Ça me passionnait énormément. Sauf qu'à un moment donné, chanter le soir et se lever le matin pour aller en compétition... Faut choisir. Monter ou chanter, il faut choisir. Mais on n'en est pas encore là parce que vous l'avez évoqué, la Corse, tous les deux mois. Et j'ai mis cette photo... J'imagine qu'on est en Corse, ne me dites pas que je me suis trompée. Ah non, hein. Mais bien sûr qu'on est en Corse. Ah, on est en Corse, là, d'accord. On est au village, là, clairement. On est au village, à Poggiomezzano. À Poggiomezzano. Parce que vous l'avez dit, Poggiomezzano, c'était obligatoire tous les étés. Exactement. Et quand vous arriviez, Lola, dites-moi si je me trompe, c'était le paradis, ici. Ah, c'était génial, c'était la liberté. Nous, on arrivait au village, c'était encore une époque où les enfants, ils se baladaient dans le village comme ça, où chaque maison surveillait les enfants des autres. Il n'y avait pas de crainte, tout le monde se connaissait. Il y avait la personne âgée qui nous donnait les chocolats un peu rances. Elle était chez vous aussi, celle-là. Mais surtout, ce qu'il y avait au village, c'est que c'était tellement bien, tellement beau, que toute petite, vous avez dit, moi, quand je serai grande, je vais habiter en Corse. Ah, mais c'est sûr, j'ai dit ça toute mon enfance. Je disais, moi, je vais être en Corse. Mais c'était les vacances aussi, il n'y avait aucune contrainte. Quand on rentrait à Paris, il y avait l'école. Bah, même si j'aimais bien l'école, c'était moins sympa que les vacances. Les vacances, on faisait plein de choses. On allait à la plage, on était en liberté donc toute la rêve, journée. Donc le rêve, c'était la Corse. Ouais. Mais il va y avoir une autre réalité qui va vous rattraper. Exactement. Et on va la voir dans une autre pièce. Ah, hey, hey. J'ai hâte. Venez. Prenez place, Lola. J'ai l'impression d'aller chez le psy. Non, on a quitté la Corse. On a quitté la Corse et on arrive à Paris. Ah. Et à Paris, qu'est-ce qui se passe? Bah, la musique. Voilà. Comment pourquoi ça, j'y ben, reste. La musique. Bah, c'est ce qui fait que je reste à Paris, justement. Parce que quoi? Parce que vous aimez chanter? Parce que j'aime chanter. À ce point? Bah oui, et puis parce que ça se passe à Paris, surtout. Voilà, si on veut travailler. Oui, je chante dans les piano-bars, dans les restaurants. Et je me dis que ça va être là, en fait. Il y a votre mère quand même qui vous dit quelque chose. Tu veux chanter, ma petite? Enfin, je ne sais pas si elle vous appelle ma petite. Oui, ça peut. Si tu veux chanter, fais le bien. Et donc, elle vous paye une école de chant quand même. Ouais, elle me dit, tu veux chanter, très bien, mais fais-le de manière professionnelle. Forme-toi, apprends ton métier. Et donc, va à l'école. Et donc, elle me dit, écoute, je peux te payer un BTS de musique. Et effectivement, j'ai fait 2 ans dans 2 écoles différentes de jazz. Et je pensais que j'allais chanter du jazz toute ma vie. Et on trouve un nouveau prénom, d'ailleurs. Et on trouve un nouveau prénom. Parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure. Quand vous naissez, vous ne vous appelez pas Lola, mais vous appelez Flavie. Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ce spectacle qui s'appelait Lola Love Jazz, qui avait été produit par des amis à moi. C'était assez
comment on va dire, c'était pas des producteurs professionnels. Moi, j'étais pas une chanteuse ou une comédienne professionnelle. Mais on avait des ambitions ensemble. On a fait ce spectacle. Et ce personnage-là s'appelait Lola. Et il se trouve que ces copains-là, après, ont ouvert un piano-bar dans Paris. Et de par ce spectacle, ils m'appelaient Lola tout le temps. Et donc, c'est resté, en fait. C'était mon prénom. Tout le monde me connaissait comme ça. Je ne l'ai pas vraiment... Enfin, c'est un prénom que j'ai choisi dans le sens où j'avais choisi de m'appeler Lola dans Lola Love Jazz. Mais c'est devenu vraiment mon prénom de scène. Et vous avez rajouté Cess. Et j'ai rajouté un nom de famille parce que c'était l'époque, je me rappelle, de la Starac. Ouais. Et je me disais, juste un prénom, on dirait que je sors de la Starac. Alors il faut que je mette un nom de famille. On a des obsessions parfois à 20 ans. Et parmi tous les musiciens qui vous appellent Lola, il y a lui. Ah ouais, Cyril Taïeb. Cyril Taïeb... Un jour, il vous dit, Lola, c'est super, enfin je ne sais pas ce qu'il vous dit d'ailleurs, mais en tout cas il vous dit une chose, c'est qu'il y a un casting pour une comédie musicale, ça c'est sûr. Alors en fait, c'est lui qui m'a fait accéder aux auditions du Soldat Rose, qui a été ma première comédie musicale. Sauf que quand il vous dit, il y a le Soldat Rose qui fait des auditions, qu'est-ce que vous dites? Je ne voulais pas y aller. Je voulais pas y aller parce que déjà, moi je sortais du jazz. Jazz, moi. C'est ça, exactement. Et puisque je connaissais rien au monde de la comédie musicale, pour moi, je connaissais pas du tout la culture anglo-saxonne, tout ce qui arrivait de Broadway et tout. Donc vraiment, j'y connaissais rien. Je me disais, ce monde n'est pas fait pour moi, déjà parce que je suis pas comédienne. En plus, et dans comédie musicale, il n'y a pas que le chant. Donc. Il me dit, mais viens, c'est Louis Chédid, tu vas adorer, et tout ça. Et puis moi, un petit peu tête de mule, déjà, à l'époque. Je dis, je viens, mais je te préviens, je chante ce que je veux. Hein. Ouais. Et il fallait chanter deux chansons en français. Et j'ai dit, non, moi j'en chante une en français, une en anglais. Et puis s'ils sont pas contents, c'est pareil. Et finalement, j'ai été prise. Ouais, finalement. Voilà. Pour jouer la reine du jeu d'échecs. Et le Soldat Rose, ça a été vraiment le début de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour moi. Vrai succès, ça, le Soldat Rose. Ouais, et puis mon métier. J'ai appris mon métier, c'est-à-dire que moi, je sortais d'école et des piano-bars, et ça m'avait déjà appris beaucoup de choses, le rapport au public et tout ça. Mais là, c'était vraiment un vrai projet professionnel, quoi. Il y avait des horaires, déjà, c'était nouveau pour moi. Il y avait des contraintes, il fallait jouer la comédie avec d'autres. Alors vite, je suis allée me former en comédie, j'ai fait des stages à droite, à gauche. J'étais tellement bien formée pour le chant, je me sentais presque pas légitime de jouer la comédie, donc j'ai voulu rattraper le temps perdu. Et puis c'est aussi la comédie musicale de toutes les rencontres. Avant d'en arriver aux rencontres, ouais. J'ai bien compris qu'il y a des rencontres, mais vous allez enchaîner, justement. Ouais. Hein, alors ça, vous faites moi qui ne voulais pas faire de comédie musicale. Pour quelqu'un qui ne voulait pas faire quoi. Incroyable. Alors, Dracula, Sister Act, Sister Act, Love Circus. Et ça s'enchaîne comme ça pratiquement pendant 10 ans. C'est-à-dire que j'enchaîne les spectacles, je passe des auditions et je suis prise. Et pour des rôles de plus en plus intéressants, de plus en plus sympas à défendre, je rencontre plein d'autres comédiens, chanteurs. Donc là, c'est la belle vie, quand même. Mais c'est la belle vie, c'est génial. Et puis la belle vie, dans une belle vie, il y a de belles rencontres, comme vous disiez. Oui, ça c'est sûr. Et les belles rencontres, c'est celle-ci. Ouais. Là, c'est deux copines qui font effectivement des comédies musicales avec vous et que vous emmenez en Corse. Exactement. En fait, les filles, on était toutes les trois dans le Soldat Rose. Et c'est vrai qu'il y a une amitié vraiment chouette. Et moi, la Corse, ça fait partie intégrante de ma vie. Donc forcément, mes amis, j'ai envie de leur faire connaître mon village. J'ai envie qu'elles prennent part à tout ça. Et elles viennent, et puis elles deviennent accros, comme tout le monde. Et elles viennent 10 ans d'affilée en vacances chez moi. Et quand vous êtes toutes les trois au village, justement, vous dites... Et les copines, si on faisait quelque chose toutes les trois? Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous trois. Je ne sais pas si c'était vraiment au village que ça s'est passé. Ah. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on se croise dans les comédies musicales. On travaille ensemble parfois, parfois non. On va se voir les unes les autres. Mais on a cette envie de faire un truc ensemble. Et on se met à faire des chansons pour le plaisir. Parce qu'on a du travail. On a du travail, on a embauché dans les comédies musicales. On n'a pas vraiment un projet professionnel clair, comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi, petite, j'avais plein de rêves. Et dans mon métier, c'est pareil. Je n'ai jamais eu de plan de carrière. Je ne me suis jamais dit, tiens, ça va être comme ça, je vais faire les choses dans cet ordre. Pas du tout. En fait, les choses sont arrivées les unes après les autres. Et je suis allée là où, déjà là où on m'a ouvert la porte et puis là où j'avais envie d'aller.
Et avec les filles, on s'est dit, on va chanter. Et puis après, une fois qu'on avait nos chansons, on s'est dit, ben, on va monter sur scène. Et puis, on était trois, alors on ne pouvait pas se contenter juste de faire un concert normal parce qu'il fallait qu'on se partage la parole. Donc, pour se la partager, il fallait qu'elle soit écrite un peu, cette parole. C'est devenu des sketchs et c'est né, Les Coquettes. Mais Les Coquettes, c'est ça. Les Coquettes sont contre la censure. Ouais. Les Coquettes sont contre la censure sociolinguistique. Ouais. C'est pour ça qu'on a décidé de vous parler d'un sujet brûlant. Ouh. La chatte. Ouais. On peut plus appeler une chatte à cause de la chatte qu'on appelle la chatte alors qu'elle devrait pas s'appeler la chatte. Par exemple, ma copine Mélodie, elle a une chatte qui sent hyper fort. Et bah, est-ce que je peux dire à Mélodie, il y a un truc qui pue là. C'est pas ta chatte? Ah non, tu peux pas lui dire. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. Voilà, les coquettes, c'est ça. C'est ça, les coquettes. C'est ça, mais c'est... C'est quoi, les coquettes? Ça ose tout? Ça ose tout dire? C'est ça, avant tout? En fait, on se pose même pas la question. Nous, on dit ce qu'on a envie de dire, mais on se dit pas, tiens, on a envie d'oser dire, ouais. On a envie de dépasser une certaine autorisation. En fait, nous, notre liberté, on n'essaye pas de la conquérir. On l'a d'emblée. On se dit pas qu'on a quelque chose à faire. Pour nous, c'est naturel. On est trois filles sur scène. On a la possibilité d'écrire notre spectacle. De le jouer, de le mettre en scène, ça nous donne une liberté totale. Pourquoi on s'en priverait? Nous, on se pose pas la question, on se dit pas, tiens, oui, on parle de la chatte et ça peut être... Non, en fait, on a envie de parler de ça, ça nous fait rire, on le fait, et ça va pas plus loin que ça, il y a même pas de réflexion. Et ce qui se passe, c'est que dans cette salle, on en revient, il y a des producteurs qui sont là aussi quand même, qui sont à l'affût, et vous en choisissez un. Oui. Vous choisissez... Jean-Marc Dumonté. Et lui, il nous a dit, il n'y a pas d'ingrédients pour le succès, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir beaucoup travailler. Et même en travaillant beaucoup, on n'est pas sûr d'y arriver. Mais moi, je crois dans votre projet. Il y a encore du travail. Il faut qu'on l'améliore, il faut qu'on le peaufine, il faut qu'on le mène au maximum de ce qui peut être votre projet. Mais moi, j'y crois et on va vous mettre dans une petite salle pour débuter. Vous allez travailler votre spectacle, travailler votre spectacle. Et quand il sera à point, on fera venir la presse. Et là, on va et mettre... Et là Bah, voilà. Alors, justement, je parlais de... Il nous a demandé quels étaient nos rêves. Et un de nos rêves, c'était de jouer les coquettes à l'Olympia. Et on l'a fait en 2017. C'est quelque chose, ça, d'avoir son nom à l'Olympia. Pff, incroyable. En fait... vous savez, quand on joue à l'Olympia, on doit choisir ce qui est écrit sur la devanture. Non, je ne sais pas, moi. Alors, Luc, quand on fait l'Olympia, d'accord, on a le loisir de pouvoir choisir ce qui est écrit sur la devanture. Et au début, on se disait, non, quand même, on ne va pas mettre notre nom, c'est hyper mégalo, quoi. Enfin, et puis, c'est moi. J'ai dit aux filles, mais attendez, ouais. Les filles. Enfin, l'Olympia, c'est un truc de dingue, quoi. C'est peut-être... On ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est peut-être la seule fois de notre vie où on va jouer à l'Olympia. Moi, j'ai envie que ma mère et mon père, quand ils arrivent devant l'Olympia, ils voient mon nom, ils soient fiers. Et alors, eux ont été fiers, mais moi, je vous raconte pas. Quand le matin, je suis arrivée à l'Olympia, je me rappellerai toute ma vie, j'ai garé ma voiture dans le parking de l'Olympia. Je suis sortie, et puis, j'avais oublié cette histoire de devanture. J'étais déjà hyper stressée, on faisait l'Olympia le soir et tout. J'arrive devant la façade, je lève la tête. Je vois mon nom, le nom de mes meilleures copines. J'ai pleuré, oh. J'étais trop, trop fière. Et je suis rentrée dans le théâtre et toute l'équipe me disait « Mais qu'est-ce qu'il y a, Lola? Ça va pas et tout ?» Ils pensaient tous que j'avais vécu un drame le matin ou la veille au soir. Et je disais « Ah non, mais ça va hyper bien, je suis juste extrêmement émue, en fait. Ouais, c'est trop émouvant, trop émouvant. » Les Coquettes, c'est 95% de votre temps aujourd'hui, oui. On peut le dire, hein, vous oui. Vivez de ça, bien sûr. Il a réalisé aussi d'autres rêves, le fait que vous gagniez de l'argent et que vous fassiez des salles. Oui. 95% du temps, c'est Les Coquettes. Et les 5% du temps qui reste, on va voir ce que c'est dans une autre pièce. Ça marche. Allez, venez avec moi.
dernière pièce. Donc, effectivement, les 5% qui restent, je suis allé zoner sur, les, sur Internet. Et sur Internet, on trouve ça. Oh, faire n'importe quoi, pour une fois. On se dévergonde, oh oui, on se lâche. On peut courir nu dans les bois, s'aimer dans les dunes, hurler à la lune. Vous la jouez un peu solo ? En fait, avec les coquettes, on s'est jamais interdit de faire tout ce qu'on avait envie de faire à côté des coquettes. Parce que nous, on estime que pour être épanouie dans un groupe, il faut que chacune de nous soit épanouie. C'est un peu comme dans un couple, le principe, voilà. Donc, on a le droit de faire de la musique à côté pour nous, on a le droit de faire des tournages, on a le droit de faire tout ce qu'on veut du moment que ça n'abîme pas les coquettes. Quand je dis ça n'abîme pas, c'est-à-dire que si d'un coup on va prendre un tournage de 2 ans, ouais. Bon, c'est rare hein, dans une vie, mais forcément ça va être compliqué pour les coquettes à côté d'exister. Mais on a toujours dit on fait ce qu'on veut, on fait ce métier par cœur. Et il n'est pas question de le restreindre en fait. D'accord. En zonant aussi, j'ai trouvé ça sur Internet. J'ai peur. Salut, c'est Lola. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi ma vie de grosse, la VDG. Je te préviens, t'es pas préparée, je vais te livrer mon intimité de grosse. Par exemple, quand t'es enceinte et que tu vas à ta première échographie, toi t'as fantasmé un truc. Tu t'es dit, on va te mettre un liquide sur le ventre, on va prendre une petite caméra, et là tu vas entendre cocon, cocon, cocon. Et bah par exemple, quand t'es grosse, c'est pas ça. On prend la caméra et on te la met dans la chatte. VDG. Quoi, vous allez croire que je suis obsédée par la chatte entre les coquettes et ça, alors que pas du tout. Oui, c'est vrai. J'ai choisi. Non, parce qu'il y en a plein de petites vidéos. Mais ce qui est intéressant, c'est ça justement quand on vient. Je suis allée sur Insta. Il paraît que nous les grosses, on manque de légèreté. Grosse, j'assume tout ce qui se passe. Tout ce qui dépasse. Tout ce qui dépasse, et, etc., etc. Pour tout vous dire, moi, Lola, j'avais l'impression que c'était ni un avantage, ni un inconvénient. On n'avait même pas parlé quand on s'est eu au téléphone. Et je découvre ça, en fait. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est important, parce que j'ai une petite exposition qui me donne matière à recevoir de nombreux messages, surtout de femmes, qui me disent « Oh, c'est génial de voir une fille qui s'assume ». Alors même si je suis pas toujours pleinement d'accord avec ce terme de s'assumer, je vois pas vraiment ce qu'on a besoin d'assumer, mais en tout cas j'assume tout ce qui dépasse. C'est un sujet qui me tient à cœur, la grossophobie. C'est un sujet qui est grave, qui est important, et comme j'ai une petite tribune avec le métier que je fais, ben ça me paraît très important de prendre la parole sur ce sujet. Pour moi, qui est aussi important que l'homophobie, le racisme. Et en ce moment, il se passe plein de trucs autour de la grossophobie et je trouve ça génial. Je ne suis pas une militante, je suis juste une artiste qui a la possibilité de s'exprimer sur un sujet qui lui est personnel et pas qu'à moi, donc j'en profite. 10 millions, hein, voilà. Il y aurait à peu près de personnes en surpoids en France. Hein. Oui, voilà. Et puis surtout, j'ai fait pour mes vidéos beaucoup de recherches sur le sujet et je me suis rendu compte qu'on avait des chiffres dans notre tête qui étaient complètement erronés, qu'il y a autant de filles qui font un 36 que de filles qui font un 48 comme moi, et on nous fait croire que la norme elle est à un endroit alors qu'elle l'est pas du tout. La femme française, la taille en moyenne d'une femme française c'est 42, et on le dit pas et on nous fait croire qu'on n'est jamais au bon endroit. Et voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur et que j'ai pas fini d'exploiter. Je travaille plein de petites choses à côté et personnellement, ça me tient à cœur et c'est important par mes réseaux d'en parler. Tout est dit. Voilà. Sur les réseaux, on trouve aussi ça. Ah. on n'en trouve pas beaucoup des comme ça. Ben non, il a fallu que je la cherche. Je suis tombé par hasard. Je suis tombé par hasard. Et si j'ai mis cette photo, le bonheur, hein, vous avez un petit garçon, c'est exactement. Ça, un petit garçon qui est élevé aussi, lui qui fait un peu ce qu'il veut. Hein. Complètement. Ça, c'est trop... Mais c'est surtout parce que vous êtes mariés là. On s'est mariés là, exactement, à Poggio Mezzana, à l'église Saint-Jean. Ça me tenait à cœur de me marier au village, c'était important pour moi. Il se trouve que mon mari, ça fait...
aussi très longtemps qu'il vient maintenant en vacances en Corse, et comme tout le monde, il est aussi tombé amoureux de la Corse. Et ça a été pas du tout un problème pour lui. On a fait un mariage fou, génial, dans le village. C'était la révolution. Il y avait tout type de personnalités mélangées. Mon village avec le monde du spectacle, avec, enfin, c'était vraiment super. Et donc oui, je me suis mariée au village et ça comptait pour moi beaucoup. Et on reste en Corse. Ah. Avec cette photo. Ça c'est mon grand frère, Marc. Qui habite en Corse, exactement. Qui habite en Corse, oui. Quand même, important de le dire. Bien quand sûr, même, bien hein. sûr. Il est plutôt vers la plaine orientale et Bastia, c'est cela ? Oui, c'est ça. Hein ? Voilà, ça c'est ma maman. Je l'ai mise parce qu'elle inspire encore beaucoup votre vie. Je lis ça dans les interviews souvent, que c'est une source d'inspiration inépuisable, votre maman. Et c'est vrai que comme je suis très 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 proche de mes parents et très 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 proche de ma mère, forcément elle m'inspire dans son parcours de vie, dans ses ressentis, son avis compte beaucoup, comme celui de mon papa. Et voilà, et ça c'est notre maison au village. C'est pas... Non, c'est votre maison. Maintenant c'est ma maison, et c'est vrai. Mes parents m'ont fait le joli cadeau de me donner ma part d'héritage. Et j'ai acheté la part à mon frère, vu qu'il habite déjà ici. Vous l'avez transformée d'ailleurs, ça c'était l'ancienne version. Maintenant, je l'ai toute refaite. Et là, c'est la terrasse où vous regardez passer les gens chaque été, c'est exactement. Ça exactement, hein comme ça, assis sur la terrasse, et puis il y a une voiture, et on fait « Ah, qui c'est ? Ah, il est déjà rentré, très bien. » Voilà, c'est ça les terrasses sur la place du village, ça non sera ça, hein. C'est la tour de contrôle. Exactement. Et c'est vrai que faire les travaux dans cette maison, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, parce que, pour plein de raisons, déjà parce que j'avais envie qu'on ait un lieu de vie familial qui soit chouette à partager, j'avais envie aussi de transmettre à mon fils... l'amour du village, tout ça. Et aussi, ça permet à mes parents de rester plus longtemps l'hiver, et ça, c'est chouette. Dernier épisode, j'ai envie de dire. Moi aussi, je suis émue, Lola. On va finir avec ça, bon, c'est bien. Un truc un peu plus... Oui. Voilà. Alors ça, c'est notre nouveau spectacle avec les Coquettes, qui s'appelle « Merci Francis ». Qui a été en rodage, il y a eu une pause, mais théoriquement qui est en rodage en tout cas. Oui, on a trop hâte de le jouer. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le selfie pour finir. Oui. On finit toujours une émission avec un selfie, oui. Sans qu'on ne va pas la terminer tout à fait. Donc faisons le selfie, okay. Sans trop se toucher. Okay. Voilà. Voilà, là c'était un plaisir. Merci. Et ce que je vous propose, c'est que de la nouveauté de ce spectacle, prenez votre ukulélé. Alors ça, ce n'est pas une chanson du spectacle, c'est une chanson à moi que j'ai composée cet été. Sur la terrasse, justement, entre deux voitures. Et là, je me suis dit que j'allais vous chanter une petite chanson à moi qui s'appelle « Même pas peur ». Pour se dire au revoir. Ça marche. Merci, Luc. Je vous en prie. On sait pas de quoi demain sera fait. On sait pas demain si on sera fait. On sait rien. On sait rien, Luc. On sait rien. On sait pas demain comment on va faire. On sait pas demain si ça va nous plaire. On sait rien. On sait rien. Si on sait rien, buvons la moitié du verre plein. Si on sait rien, on sourit, on attend demain et on verra bien. Même pas peur. Si c'est moins bien, si c'est meilleur. Même pas peur. Verra bien, même pas peur, même le moins bien peut-être le meilleur, si on y met du cœur.